Bonjour, c'est Pif. Toujours à la recherche des pièces du chariot. Et justement, quand je faisais une quête du shérif, les bandits de tir a popé. Donc j'ai mon camp de bandits, mais bon, il y a encore 25 minutes, c'est bon. J'ai le temps de faire les ventes de tir. Comme l'autre fois, je vais en accélérer et je ferme la zone. Bon, toujours cette zone, je l'ai de plus en plus. Alors, une chose que j'ai remarqué par rapport aux events qui pop, c'est généralement ils pop toujours quand on est en train de faire quelque chose. Là, j'étais en train de faire une des quêtes du shérif. J'avais fini, j'avais trouvé les trois indices, je sortais de la zone et l'event a popé. Hier, c'est pareil, j'ai eu l'event de train, j'étais en train de faire un camp de bandits en haut. Quand je sors de la zone, l'event a popé. Je n'ai jamais vu les ventes popper quand on sort de la maison. Après, je ne sais pas s'il faut consommer un certain nombre d'énergie pour faire popper les ventes. Donc là, on arrive au chariot. Je remets en normal. Bon, le cheval a une bride. Alors, le chariot est toujours placé au même endroit, apparemment. Et on a un essieu. C'est parfait. On continue. Une deuxième bride. Bon, maintenant, on a les items du cheval beaucoup plus souvent. Par contre, je n'ai pas vu beaucoup de fer à cheval. On en a un tous les 28 jours, mais comme il en faut 4 à chaque fois, 4 mois pour avoir une arche, c'est un peu long. Donc, il faut espérer en trouver ailleurs, à droite, à gauche. À vous de me dire dans les commentaires d'ailleurs où vous les trouvez, si vous en trouvez ou pas. Moi, depuis la mise à jour, j'en ai pas eu un seul. Une hache en acier, c'est la deuxième fois que j'en trouve une dans le chantier. C'est pas pour les dégâts, mais par contre, elle va durer très longtemps. Je la garderai plutôt pour la zone sud. Alors, les bandits, je n'hésite pas, j'en tue un maximum. Ça fait monter la jauge de colère, mais c'est un peu ce que je cherche. L'avantage, c'est quand je suis attaqué plus souvent, on a la cage des bandits plus souvent, ça fait jouer. Là, je commence à être plein, bon, c'est plein qui arrive. Alors, ils font mal et on n'arrive pas à les éviter. Même avec des bonnes chaussures, on n'arrive toujours pas à les éviter. Bon, par contre, en étant rapide, on n'arrive à ne prendre qu'un seul coup.
J'en profite pour faire rapidement mon compte bandit. Bon, ça c'est rapide. Punk Capital mis à jour. Je suis en recherche pour voir s'il n'y en a pas un troisième. Et on va à la maison. Donc voilà, nous avons le chariot. Donc on a 5 places. On va l'améliorer pour avoir 5 places supplémentaires. Donc à chaque fois, c'est du bois, c'est des outils et du tissu. Donc là, il faut 16 heures. Et là, il a demandé des ressources de type T2. Ben, on va laisser passer ces 16 heures. Bon jeu et à bientôt.